Alors, le thé de Gaël, les pommes de Kevin et mes yaourts. Alors, là, non, ils vont les voir. Cindy ? Oui, oui, j'arrive. Non, elle est... Ah, Cindy ! Là, ils les verront jamais. J'arrive ! Où est-ce qu'ils sont ? Oh, qu'est-ce que vous en avez fait ? Ah, vous voulez la jouer comme ça, hein ? Mais je vous préviens, je vais vous mettre une misère comme jamais je vous ai mis une misère ! Mais enfin, mais de quoi tu parles, bon sang ? Vous voulez faire les innocents, hein ? Je parle de mes yaourts supersoniques, saveur framboise, saveur mangue, saveur kiwi et saveur banane pour m'aider à faire caca ! Qu'est-ce que j'entends? Comment ça? On a volé tes yaourts? Alors ça, c'est un scandale. Il faut les retrouver. Celui qui a fait ça, vraiment, mais vraiment. Je te tiens. Ah ah, Gaël, je savais que tu retournerais sur la scène du crime. Oh, on va dans la cuisine comme ça, comme par hasard. Déjà, j'allais chercher un truc et puis je fais pas ça. Oh, épargne-moi, t'es si magré, hein. Je sais que c'est toi. Ben oui. Oui, c'est moi, la victime. Ah. Top, Gaël. Gaël, je prends le relais, là, on abandonne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bon, écoute, Cindy. Tout a commencé il y a environ un mois. Gaël a effectivement volé tes yaourts pour l'aider à faire caca. Mais en trébuchant sur mon vieux vélo tout rouillé, eh bien, le yaourt au contact du pneu a fait dérouiller le vélo. On a donc eu une sublime idée: monter une entreprise de réparation en tout genre, trottinette, vélo, tondeuse. Et Gaël, sa mission, c'était de subtiliser la ta marchandise, en l'occurrence. Oui. Vous avez tout entendu? Arrêtez-les. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Kevin, Gaël, vous êtes en état d'arrestation. Pardon? Pour utilisation et détournement de yaourt pour faire caca. Mais non! Vous devrez nettoyer tous les vélos et trottinettes que vous avez réparés. Eh ben ouais. Mais non! Bernard, va chercher les pièces à conviction. On les embarque. Aïe! Allez hop, on va s'expliquer au poste.